une taille là. Ah. Prétendant défendre le vivant, nous sommes déjà dans un troupeau de chèvres depuis la nuit des temps. Le vivant qui se défend. Ben, ça y est, t'as tout trollé toi. Triste vie de merde, gendarme de merde, gens sans âme, ouais, c'est vous. Tiens, c'est de la boue ça, eh oui, ça salit. Mais nous on s'en bat les couilles, tu vois, nous on n'est pas salis par la pollution ici. J'espère que vous êtes tous fiers de vous là. Vous en pensez une sur le bande de connards. Vous êtes dégagés. On va faire usage des gaz lacrymogènes. Ouais, on avait compris. Ferme ta gueule. Ouais, l'avertissement c'est avant normalement. Hein. Parce qu'il est passé l'autre pote. Arrêtez. Mais elle vous pose une question là, répondez. Tu réponds à sa question. Réponds à sa question. Il est où? Il est où? Elle est où la deuxième personne qui était sur toi? Il est où? Où est-ce que vous l'avez vu? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Allez, il est où là? Je sais pas où il veut se demander. Vous avez qu'à reculer vous, tiens, pour une fois. J'ai des inquiétudes envers lui, même si je suis pas sa mère. Vous la connaissez pas la solidarité, monsieur, hein, c'est ça. Vous la connaissez pas la solidarité, hein? Allez demander à votre chef. Allez demander à votre chef. Demandez. Il est où? Il est où? Ah, il est. C'est ça. Je suis pour moi, toi, je suis pour moi. Mais bah, il est où ce véhicule de pompiers? Ah ben voilà. C'est parti pour bah, c'est un véhicule médicalisé. Donc ça lui permet d'être pris dans les meilleures conditions possibles. Mais il est où ce véhicule? Il est reparti sur la route et je pense qu'il va être amené à l'hôpital. Il est actuellement sur la route. Donc il est blessé. Je ne sais pas où il est, je vous dis, il a été mis dans les pompiers. Oui, mais les pompiers, vous devriez savoir où est-ce qu'ils sont actuellement. Je ne vous cache pas qu'une fois qu'il sait, il est en bonne main. Mais mon commentaire, t'es en train de mentir. Mais on fait le encore heureux, il y avait des chats dans cette maison. Il y avait des chats dans cette maison, vous allez défoncer une maison où il y a des chats dedans. Vous trouvez ça logique de défoncer des chats comme ça? J'ai des informations. Non, où est-ce qu'il est, monsieur? 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 Regardez, là on est devant vous. On vous propose de diffuser une séquence où on vous laisse vous exprimer. Donc on est voilà pour faire la rétention ou quoi que ce soit. Vous allez retenir ce que vous voulez.
Vous allez rien changer. Je vais le faire avec vous si vous voulez. Moi l'objectif c'est juste d'avoir une petite séquence de quelques secondes, vous exprimez ce que vous avez sur le cœur face à ce désastre et qu'on le diffuse sur Twitter. Et je peux le faire devant vous si vous ne croyez pas. Et vous avez ma parole. Hein. Ouais. Le truc c'est qu'en face vous avez le ministère de l'Intérieur qui balance des images et parfois des séquences avec de l'audio. Et vous le voulez ou non, ces images sont diffusées. Vous pouvez vous mettre juste de là qu'on voit bien le lieu. Merci, très gentil. Et pas trop long. On amuse. Donc en gros, la gendarmerie nous détruit les maisons qu'on a construites, nous vole nos affaires, nous frappe, ne nous donne aucune information. Tout à l'heure, il y avait deux personnes sur le toit, dont une qui a été tapée et qui a été emmenée. On ne sait même pas où, on ne sait même pas par qui, on sait plus ou moins que c'est par les pompiers, on n'a aucune information. Je refuse de nous répondre et ils prennent un malin plaisir, regardez, à saccager ce qu'on a construit de nos mains. C'était la chèvrerie il y a encore quelques minutes. Et là, c'est plus qu'un château de sable détruit par des enfants déguisés en Robocop. Voilà, ils s'amusent à massacrer nos vies. Bon, on reconstruira. On reconstruira, on sera toujours là. On attend du soutien de toutes parts. On attend du soutien de tous les gens qui peuvent venir. Et que la SILPA éventuellement rejoigne aussi le mouvement dès qu'ils peuvent. Et voilà, et ne croyez pas la police, la gendarmerie, parce qu'elle ment. Là, on est vraiment sur la table avec la bouffe de hier. Voilà. C'était à 6h du matin qu'ils sont arrivés, voilà. Bon, il paraît qu'il y a de la bouffe qui a été préparée au Fosmar, donc on va y aller, on va aller manger un peu et puis on va revenir avec plusieurs fois. C'est quoi le sentiment? C'est la désolation là, en voyant ça? Moi, ouais, c'est la désolation, c'est la colère. C'est la colère, on est là, on a gagné en plus. Mais maintenant, on ne va pas faire, on vient quand même détruire nos maisons. C'est ça que je peux dire ça. On n'a même pas eu le temps de s'organiser. Vous voulez récupérer les. Vous me demandez vos prénoms ou les prénoms que vous voulez? Camille. Pardon? Moi, c'est Malcolm X. Moi c'est Arrête pas tranquille. Vous voulez pas? Non. C'est bon. Moi je dirais pas Camille, je dirais Roger. Moi c'est Roger. Roger et Camille. Oui. Tu veux récupérer les? Ouais. Merci. Bonne journée. Bon courage. Merci vous aussi. Mais en même temps c'est vrai, c'est pas ça ce qu'ils disent, c'est que les personnes qui vont dans Presse Océan, qu'on entend parler, sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes de certains lieux qui vont prendre la parole et dire les mêmes choses. Donc au bout d'un temps, c'est bien aussi d'expérimenter. Après, ils vont garder que les images de lacrymo, tu vois. Ouais. Que les images de lacrymo, un molotov, c'est plus dur. Est-ce que tu peux vérifier qu'ils l'ont bien fait, s'il te plaît, 20 minutes sur Twitter? Eh ben merci beaucoup, tu me rappelles après, mais a priori, donc ils ont pas tweeté le truc qu'ils nous avaient dit qu'ils allaient tweeter. Donc on peut vraiment pas leur faire confiance. Toutes les vitres elles sont intactes. C'est délire ça. Ça tient bien grâce à l'argile ça. Hein.